à la recherche des boules de cristaux, comme je disais. Oh bah, allez, revoilà le moche. Oh là là. Le retour du relou. Salut, petit croupion. Et coucou, Cro. Comment que ça va? C'est pas les boules de pépé? Quoi? Quel enfer. On n'est pas sur le même jeu, là? Sky of Arcadia. Oh, ça me dit quelque chose, ça, Sky of Arcadia. Un jeu obscur, mais qui me dit quelque chose. Eh bah, ça va, ça va. Ça va, ça va. On fait aller. Il faut. C'est pas elle que je veux parler. Non. Oh, nom de Dieu. Tu t'ennuies quand je suis pas là? Non, je m'inquiétais. Tu venais pas raconter de conneries. Je me suis dit, ça y est, j'ai les bannes de la chaîne sans faire exprès. Vous Twitch la banne. Et y a personne qui me fait dormir ici? Je peux pas rompiche? Ah, voilà. Merci. Même ban, je reviendrai. Ah. Ça, c'est compliqué. Les pouvoirs flex avec les éveillants. Qui? Je suis encore au taf. Ok, on est tout neuf. C'est parti. Let's go for the bubble. Et t'es à combien, du coup, Bibi? Les gens, faut aller... Ah oui, mais attendez, parce que j'ai pas de modérateur. Alors, attendez. Oh putain, c'est quoi la commande? C'est ça, je crois. Yes, je connais mes commandes, c'est cool. C'est bon, tout va bien. Je gère. Ça va? Mais non, mais parce que normalement, j'ai des modérateurs, en fait. Mais ça, c'est normalement. Je sais pas où ils sont partis encore. Ils font grève. C'est terrible. Du coup, oui, tu as combien de follow? Je vous invite à aller follow, bien entendu, monsieur Bibi. Qui va bientôt se mettre à faire du Fortnite. Et je vous jure que même si Fortnite, c'est pas ouf, Bibi sur Fortnite, ça vaut le détour. Pourquoi il y a des mouches noires? Alors, attendez. Je vais essayer un instant de me concentrer sur le jeu, juste histoire de lancer qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Déjà ça, on va mettre ça là-dedans. Hop. 322. Ah ouais, il faut. Vas-y, tous les jours, je vais faire une propagande pour demander aux gens de te follow. Yeah. Ouais, Sky of Arcadia, ça me dit quelque chose de nom. C'est du JRPG? Non, alors, c'est un joueur de rétro, K.O. Hein. Il fait toujours des jeux obscurs que je ne connais pas spécialement. Mais juste, il s'est mis un truc que je trouve très intéressant et une idée que je vais totalement lui piquer, je pense, c'est de se faire un follow goal. Et je trouve ça très drôle. Et dans son follow goal, justement, il a prévu un goal qui est de totalement sortir de sa zone de confort. Et non seulement de faire un jeu récent, chose qu'il fait très rarement, mais en plus de faire un jeu récent où je me gosse d'avance de le voir dessus, puisque c'est Fortnite. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Juste oui. Et coucou Vatline, comment que ça va? Allez, jouons de l'ocarina. Il y a une vache qui essaye de me faire le fion, j'ai rêvé là. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah, elle voulait me donner du lait? Oh, c'est trop gentil. D'accord. Comment ça, je trouve rien? Alors attends, on va s'envoler. Utiliser. Oui, si, vous pouvez signer les yeux fermés. Hein. Alors là, niveau rétro, vous serez beaucoup plus servi chez lui qu'ici. Hein. C'est une certitude. Alors, est-ce que faut que je m'en serve là-dedans? Mon sac.
Alors, la feuille, voilà, ça c'est le méchant. C'est pas ce que je veux. Ah non, je peux pas du tout. D'accord, je peux pas du tout accéder. Oh, mais putain, comment je suis censée savoir où qu'il faut que j'aille, moi? Ça va être compliqué cette histoire. Ouais, les jeux infogrammes. Ouais, ça devait être quelque chose aussi. Alors. Tu refais? Ça dégage ce gameplay, je vais pouvoir le poncer. Ah ouais, il y a plein de gens qui sont très contents, ouais, que ça arrive. Ça va arriver sur Switch aussi. Oh mais ça va être compliqué cette histoire. Comment... Attendez. Téléportation. Vas-y, je vais me téléporter partout. Je pensais que ça se mettrait sur la map en fait. J'ai oublié le mode d'emploi de la boule. Est-ce que ce serait pas le moment de se saisir du guidebook? Aquasolus, je sais pas où il est. Non mais de toute façon j'ai des modérateurs qui font grève, c'est fini. C'est... Yuni préfère aller se faire des barbecues, Aqua, il va faire des jeux, y a plus... tout le monde s'en fout, ce stream part à volo. Quoi commence trop tôt? Oh, je pense que je vais go gadget au guidebook. Hein. Ah ouais, attends, il y a des échos nulle part, attendez, je vais chercher le guidebook. Tu veux que je sois ton mando? Bah non, parce qu'il y a une légende qui dit que si tu deviens mon modo, je vais fermer ma chaîne. C'est ça, non? C'est plus ou moins ce que j'ai entendu la dernière fois, du coup... Non. Bah le jour où vous voulez vous débarrasser de moi, voilà, vous pouvez continuer à venir, mais juste vous faites une pétition pour que Svetlia passe modérateur, je comprends le message, et j'arrête. On dit ça? Ok. Voilà. Attendez, j'arrive, je vais pêcher le guidebook. Oh, la petite pétition! Ah, on en est là, Bibi! Aïe, tu me fais mal à l'intérieur de mon petit cœur, Bibi. Je ne croyais pas. Très bien. Alors. Ne quittez pas et check with the guidebook. Le journal, c'est-à-dire son nom prologue. Ah, c'est bien, je vais apprendre à... L'église, les magasins, le cycle, menu principal... Divers. Elle est où la table des matières? Faire ses courses. Compétences et aptitudes. Introduction. Il est où le déroulé du jeu là? C'est le vert? Oh putain. Cheminement. Cheminement. Ça on a fait, ça on a fait. Attendez, parce que je veux pas aller trop vite, je veux pas aller sur les derniers pas. Non non mais t'inquiète Edia, je l'ai, c'est juste que bah comme d'habitude je sais pas lire les guidebooks donc je sais jamais où faut que j'aille chercher. J'ai vraiment pas de bol hein.
même sur ceux de la saga FF13, hein, sur les trois jeux, il n'y en a pas un que j'ai réussi à lire correctement. C'est horrible. Ijbi Nobitas. Là, je veux savoir, elles sont où les boules? Mais non, mais Citadelle Noire, c'est la fin du jeu, ça. Moi, je veux les boules avant. Ah, c'est ça? C'est pas ça. Zone accessible par les airs. Mais pourquoi il n'y a pas les boules? Putain, c'est terrible. Et coucou Jo, ça va et toi? Désolée, je suis avec vous, hein, mais je cherche mes boules. Non mais attends, il y a le monde de l'ombre, et direct après le monde de l'ombre... Non, la citadelle noire, c'est ce qu'on s'est fait la dernière fois? Non. Ah si, attendez. Ouais, non, mais attends, le dernier chapitre du jeu, c'est le donjon qu'on s'est fait la dernière fois. Ah, chapitre 6. Quête annexe. Non, mais attends. Mais c'est quoi cette merde? Ah, la quête des orbes, ça y est, je l'ai. Eh, vraiment, c'est mal fait, hein. Bon. C'est mal fait, c'est pas moi qui sais pas lire, c'est juste mal fait. C'est bon, j'ai. Alors, dans les décombres de Lontania, mais c'est là où j'ai tapé le Prums, ça me disait non. Quelle ville grévinerie. Lontania. Mais où sont mes bouboules? Where is my bubble? Hop, on va juste se faire... une petite protection sacrée. Parfait. Et on va prendre notre meilleure monture. Parce que ça fait bien trop longtemps qu'on ne l'a pas utilisée. Alors apparemment c'est dans les ruines. Zoom arrière. Non, zoom arrière. Il dit zoom arrière. Ah, trop zoom arrière. Et coucou Mao, comment que ça va si bien? Alors, les ruines, elles étaient pas très très loin, me semble-t-il, qu'il me semble. Où que c'est que c'était-il donc? Oh! Un coffre qui n'a point été ouvert. Vous, toi, nous, elle, il? Ah, t'as oublié Yel, alors. Ah. Ah, je ne peux pas aller. Ah! Il en manque un. Mais non! On avait dit que je me faisais pas agresser par des poivrons, là. Dégagez. Écoute, ça va très bien, petit jour de repos. On essaye de finir Dragon Quest aujourd'hui, mais c'est mal engagé, je dirais. Je suis à la recherche... Bah, je sais pas si c'est la chance, j'ai travaillé samedi et dimanche, donc... C'est où les ruines, en fait? Magie. Et coucou Orfeo. Shava et Toyewa. Bien viendu.
Oh là là, je me souviens exactement où est-ce qu'il faut aller. Enfin, dans ma tête, je visualise l'endroit, mais sur la carte, je sais pas où c'est. Allez, les 3 semaines de congé, tu ne mérites que ça. Si. Par contre, laissez-moi partir, je vais vous bouler là, les gars. Oh. Non, bah oui, mais t'as bien raison. Profites-en. Il est très joli cet arbre. Un coffre. Je suis en train de récupérer les coffres de la première zone du jeu. Spoil ce qu'il y a dedans, ça va être probablement inintéressant au possible. Poste de contrôle. Non mais attends, mais et les ruines, elles sont où? Je suis perdu. Ouais, il a pris un ami, tu peux craft la meilleure arme du jeu dans les objets de début. Ah ouais? Ah? Je ne savais pas. Elden Ring sur Game Boy? Allez. Ils appellent ça les ruines, ça? Ah non, la caverne de la cascade. Elden Ring sur Game Boy, ça doit être... ouais. Assez rigolo. Dans les décombres. Ah mais non, dans les décombres, est-ce que je suis une connasse? Je crois que oui. Est-ce que ce serait pas dans les décombres de la maison qu'il y a dedans? Attendez, j'ai peut-être un éclair de génie. Que dans Lontania, il y avait une maison où c'est une ruine par là. Alors est-ce que ce serait là-dedans l'orbe violet? Je vois un truc qui brille. Putain, c'est totalement ça. Et bah chaise, vête. Genre chais. Just chais. Une ombre, lui, au pied de chat qui pue. L'orbe violet. Allez. Mais non, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est comme je sais pas pourquoi je suis obligée de remettre toutes les rediffusions manuellement maintenant, sinon ça ne marche pas. C'est I don't understand what is the bullshit, ok? Je ne sais pas. Tour d'Alexandra au sommet, orbe bleu. Ouais, faudrait que je mette ça. Vous avez totalement raison. Alexandrie, tu veux dire oui à Alexandrie, à Alexandra Barracuda. Comment ça, t'as raison? Ah non, non. Donc ça va être là où il y a la statue au dernier étage. Mais pourquoi je me fais attaquer par des petits cacas qui sont niveau 1? J'ai mis un truc exprès. Ah, t'as toujours raison, c'est ainsi, bavardieux. Où va le monde?
Nous sommes un petit peu dans la merde. Ok, donc là, faut remonter en haut de la tour. Oh, si tu savais, Orfeo. Tu savais. Cette brave femme. Non, mais... De ce que je me dis, avec un loulou comme ça, elle doit pas s'ennuyer. Hein. Oh non, le jardin. Merdouille. Il y en a combien des orbes là? 1, 2, 3, 4, 5. Faut juste que je retrouve le passage pour aller tout en haut. Ah bah non. C'est quoi cet enfer là? Mais... What is the bordelum? Moi, je veux juste monter, en fait. Non, je suis coincé ici, on a dit. Oh là là, en vrai, c'est le truc littéralement où j'en ai une demi-heure à tout faire. Je vais passer 2 heures parce qu'il va falloir que j'arrive à retrouver mon chemin dans toutes les tours qu'on a fait depuis le début du jeu. Des gros bisous à toi. Merci beaucoup d'être passé. Il y a une échelle. J'aime les échelles. Gros bisous, jeu. Passe une très très bonne soirée. Ok. Je suis Monte. Ok, c'est bon, tour principal, let's go. Allez plus haut, allez plus haut. Orfeo Arena, là. Ou Christina Orfeo, est-ce que tu préfères Christino? Vous êtes bien nommé le Christino. Alors, c'est le prom sous le 2, je crois que c'est le 2. Yes. Passe-moi la perruque, let's go. J'ai une super perruque brune, si tu veux. Après, t'es sans problème. Petit raccourci. Ouh. J'espère que c'était bien celui-là. De toute façon, si c'est pas ça, c'est l'autre côté. Je crois que c'est Bueno. Yes. Non! Pourquoi j'ai pas mis la protection créée? Personne ne sait. Bouidi bouidi boui! Allez-vous-en, les petits kikis, là. Magie. Protection sacrée, c'est pas le moment de cliquer sur évac. Et donc en haut, on devrait trouver l'orbe bleue. Ah bah là?
Là. Ok, orbe bleue. J'ai passé ma journée sur Twitch entre Yoshi, qui arrête Bibi et qui t'arrête ensuite. Mais que des raids totalement qualitatifs, du coup, en fait. On peut dire ça, du coup, non? L'abbaye de Maella dans la chambre du prêtre Francisco. Que du RPG japonais divers et variés. La base. On est tellement des gens bons. Alors la chambre du prêtre Francisco, il me semble que c'était quand on rentre dedans, c'est un tout droit. Et c'est celle qu'il y a au milieu de la montagne. Ah mais le lurk, c'est la vie, hein. Moi, il y a des fois, je suis en lurk, j'avoue, je dis même pas bonjour parce que je sais que je vais pas rester longtemps. Et c'est chiant parce que j'aime pas quand les gens... Enfin, non, c'est pas que j'aime pas quand les gens ils sont là et qu'ils disent pas bonjour, c'est que j'aime bien quand ils prennent le temps de dire bonjour. Alors que je prends même pas le temps de le faire chez les autres des fois. Je suis vraiment une connasse. Voilà, savez-le. Oh là, mais ça a changé ici. Ils ont une pouf-pouffeuse. Mais trop bien. Oh mais attends, mais pourquoi il y a plein de pouf-pouffeuses à l'église? Oh là là. Oh, c'est des bagames à quand on est venu la dernière fois, hein. Alors. Moi je dis bonjour, je sub et je lurk. Écoute, n'hésite pas à dire bonjour autant que tu le souhaites, à sub autant que tu le souhaites et à lurk autant que tu le souhaites, bien sûr. Non, mais vraiment, merci beaucoup pour toutes les personnes qui lurk. Hein. C'est très gentil à vous. C'est totalement un soutien aussi, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, 2-3. Alors, on va où maintenant? Akara, au premier étage du manoir de Golding. Oh, pendant la journée? Ok. Bakara? Bakara. Ouais, alors ce que vous pouvez faire, petit tipsou, c'est que, par contre, ce qui marche... C'est que vous laissez le son du stream et en haut dans les onglets, vous pouvez faire couper le son ou réactiver le son. Et ça, apparemment, ça fonctionne si on mute directement l'onglet et pas le stream. Moi, c'est ce que je fais du coup. Ouais, c'est ça, tu me confirmes le sympatafix que je disais pas des bêtises. Alors, le manoir, c'est celui qui est tout en haut là-bas. Exact, ça marche en mutant la page et pas le lecteur. Ok, ça j'ai appris ça il n'y a pas hyper longtemps. Bonjour mademoiselle. Je crois que c'est ça le manoir. Donc, au premier étage et deux jours. C'est un cul-de-jatte, au secours. Ouais, ils sont où les escaliers? Bah si, c'est ça le manoir, non? Toujours aussi efficace. Allez. Ah. Premier étage. Alors, où est-ce que ça brille? Parce qu'il faut que je me dépêche avant qu'il fasse nuit. Faut que je trouve un truc qui brille. Oh, une salle de bain. Oh, j'ai tellement envie qu'il y ait un Dragon Quest Builder 3. J'ai limite envie de me refaire le 1 en ce moment. J'aime tellement ce jeu. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu, enfin, principalement pour Bibi et Pata, parce que j'en ai pas parlé avec vous, mais les autres aussi, hein, le retour de Dragon Quest Joker.
Bah, le truc qui m'a saoulé avec le 2, moi j'ai beaucoup aimé le 2, mais le truc qui m'a gavé, c'est qu'ils nous ont vendu un jeu multi qui ne l'est absolument pas. Mais ça, je commence à me dire que c'est vraiment le petit tips de Nintendo. Et ça gave, vraiment ça gave. Je peux pas y vague ici. Mais... Ah ouais, ouais, vraiment là, j'ai vraiment hâte aussi. Dragon Quest Joker, ça va être trop trop cool. Mais ouais, ouais, Dragon Quest Builder 2, moi, je me souviens à l'époque, je l'avais fait avec Nours, ils avaient vendu ça en mode ouais, on peut jouer à deux et tout. Et en fait, bah en fait non, t'es obligé de faire l'aventure en solo, t'as juste une petite île sur le côté qui te permet de jouer au fur et à mesure avec quelqu'un quand t'avances dans l'histoire, mais l'histoire, tu peux totalement pas la faire à deux. C'est très chiant. Arcadia dans la cour. Arcadia dans la cour. C'est pour Joker là, le. C'est pour Joss le Joker, pas pour Joker le Joss. Au squat. Oh, quoique l'un dans l'autre. Ça passe. Alors, dans la cour. Quelle cour ? What a cour ? Je pense à la cour du manoir. Mais je check quand même. Je pense à cette cour-là. Je lui avais pris avec un pote. On s'est fait rembourser. Et qu'on a vu l'embrouille. Ah oui. Bah, je t'avoue que je l'ai fait quand même parce que sur le principe... bon, le jeu est quand même cool, quoi. Mais il faut que tu le prennes comme un jeu solo. Ou... Ouais, c'est... La chaumière de Martha. Alors, la chaumière de Martha. Téléportation. Elle est où, ma petite Martha ? Chaumière de Martha. Mais ouais, ça, c'est vraiment des jeux que j'ai kiffé. Alors, l'entrée de la grotte. En toute sincérité, la quête des orbes, chaud hein, si tu fais ça sans le guidebook là. Mais putain, s'il faut que tu te retapes tous les lieux, parce que on a un item qui est censé nous indiquer où ils sont, mais si on va regarder sur le dernier, mais ça ne bipe pas. Enfin, l'écho, faut vraiment que tu sois à côté, en fait. Alors, attends, c'est quoi le dernier ? La résidence du grand prêtre sérénissime. Où est-ce qu'il habitait, le con ? Le grand prêtre sérénissime. C'est pas en Pichou, c'est pas les trois angles. Horcrux ? Je suis pas sûre. Alors je me souviens. Je me souviens de qui qu'on parle. Non, c'est pas là. Merdouille, je me souviens de qui on parle, mais je me souviens pas d'où c'est. Ne quittez pas à 100 ans. C'est dans le châtel où on peut y aller que quand on s'est volé, je crois. Bah, c'est là où on revoit le frère de Jean-Michel. Non, c'est pas là du tout. Ça, c'est là où il y a le fiancé. Ouais, non, ça, c'est là où il y a le fiancé de la princesse, le petit couillon absolument horrible. Terre de chasse, chapelle Amada. Où c'est que ça ? Non, pas ça, Nicodème, non. Trois angles, non, ça c'est le truc où il y a les monstres en pichou, c'est là où on peut passer du côté des ombres. Anse du pirate, je sais même plus ce que c'est ça.
Allez voir, je sais plus ce que c'est. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Très beau coup. Ouais, non, c'est pas ça. Ah oui, non, non, pas du tout. Note du tout. Attendez, ne quittez pas. C'est un des derniers lieux qu'on a fait. C'est une des dernières zones qu'on a fait. Ah voilà, la résidence du prêtre sérénissime. Il habite où, ce con? Les talines explorées. Trois angles, ok. Il habite où, lui? Après avoir atterri... Mais on atterrit où? J'ai pas de TP pour aller voir le prêtrouille? Y a pas de nom. Attends, y a pas un TP qui s'appelle la résidence du prêtre sérénissime là? Parce que je suis un peu boubourse des fois, mais pas à ce point-là. Éther de chasse royale, tour de machin, chapelle, ruine de l'ombre. Non, hein. Vas-y, on va y aller en volant parce que... Oh mince, pardon. Ouh la tête. Aïe, oui, excusez-moi. Vas-y, on va prendre le bateau. Je suis allée m'enfermer au pire endroit. Au secours. Bon, c'est le dernier orbe. Tac, tac. Comment ça, je peux pas l'utiliser ici? Oh, mes crottes de bique. Laisse-moi débarquer. Je peux débarquer nulle part? Mais pourquoi je suis venue là? Vraiment, de tous les endroits du monde où je pouvais aller, il a fallu que je choisisse le seul endroit où je suis bloquée? Laissez-moi, s'il vous plaît. Là. Mais vraiment? On rapproche de chez le méchant, en plus. Le pont est cassé. Ah bah, c'est exactement là-bas qu'il faut que j'aille, dis donc. Droit devant, là. Mais faut que j'y aille en volant. C'est bon. Ah mais non, mais c'est pas bon. Mais pourquoi? Mais laissez-moi débarquer. Oui. Oh bah. Écoutez, si ce coffre est si gentiment proposé, on va faire la fine bouche non plus, hein. Super, un calbut. Yes! Le calbut de rechamp. Let's go. Alors, à moins que je galère fort sur le boss de fin, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. Hein. Faudrait que je vois. Si éventuellement on arrive à finir ce soir, je dis bien éventuellement, parce qu'à chaque fois que je m'avance, il reste toujours des trucs qui font qu'on finit jamais. Il y a des gens pour faire du raft demain? C'est là qu'il faut que j'aille. Oui. Ah, ça fait beaucoup de paramètres à Edia. Je veux aller là. Mais non, mais... Oui, merci. Il me semble que c'était là. Il me semble ce que c'était là. Début du mois, ma CB ne gonfle pas encore trop. Eh bah, écoute... let's go. Faut que je le réinstalle aussi.
Et coucou Madara, bienvenue à toi. Ouh là là. Ça, ça sent le fan de Naruto. Je pense ne pas trop me tromper. Tu finis potentiellement à 10h demain. Allez. Ça va, petite journée? Oh, c'était pas là? Ma vie est nulle? Oh, c'était pas là? Oh là là, mais c'était quoi sa dernière demeure à Jean-Michel? Oui, mais là, c'est le fan de Dragon Quest qui est là. Mais bienvenue et aux fans de Dragon Quest et aux fans de Naruto. Hein, là, pas de jaloux. Hein. C'était tout en haut, tout en haut? Oh là, je sais plus. Je suis perdue, je ne sais plus. Au secours. Ok. Garderie demain. Courage. Par contre, le problème, c'est que si c'est pas là, je sais plus où c'est. Au secours. Ah, si, ok. C'est là. Quoi ? Il fait nuit. Oui, oui, avec la maison un peu défoncée. On va y arriver. Est-ce que tu l'as déjà fait cet épisode, Madara ? Enfin, je suppose que si tu es fan de Dragon Quest, oui. On n'est pas très très loin de la fin du jeu. Je suis en train de rassembler les boules de cristal. C'était à l'étage... 100% une bonne quinzaine de fois. Yes! Ok. Et bah, let's go. Alors, moi, c'est la première fois que je le fais. Ah, c'est là. Parfait. Non, me parle pas. Je veux pas te parler. Bou. Je veux ça, moi. Je veux la boule qui brille. Take me the boule qui brille. Mais. C'est bon, j'ai tous les orbes. Ok, ça c'est fait. Ça a changé Dragon Ball. Ah, mais c'est... The Must avant. Donc là, on va retourner... Merci, Gaou. Voilà, je laisse le truc à côté si je galère pour le boss, mais je m'en suis servi pour aucun boss, donc là, juste pour recontextualiser Madara, j'ai pas compris trop l'ocarina, je m'en suis pas servi depuis le début du jeu, mais du coup, je suis allée saisir mon guidebook pour m'aider, parce que je suis atteinte d'une maladie très grave qui est là, j'adore les JRPG, mais je me perds partout. Du coup, histoire de ne pas chercher les orbes pendant à peu près 10 milliards d'années, puisqu'à chaque fois que j'ai tenté de TP quelque part, l'Ocarina me disait « Il n'y a pas d'écho. » Je suis allée chercher le guidebook. Voilà. Alors, en pichou. Ça va. Après, je sais où je vais, donc c'est ok. Ah ! Comment ça, ah ? Oh, je sens la jugeance dans ce « ah ». Arrêtez! Faites pas ça, arrêtez! Non! J'ai juste allé me payer une petite sauvegarde, histoire que même si le boss de fin m'arrache le fiac, je ne recommence plus jamais à chercher ses orbes. Off course. Petit dodo. Bonjour Jacqueline. Du coup, Madara, on en parlait tout à l'heure, mais je suppose que tu es comme à peu près au moins 80% ici des gens totalement hype par le fait que Dragon Quest Joker revienne. Ah bah là, j'ai les 8, enfin, je pense. J'ai fait celle de Lontania, d'Alexandria, de l'Abbaye, de Baccarat, d'Arcadia, de la Chaumière de Martha et de la Résidence du Grand Prêtre.
Je crois que c'est bon, hein. Attends, je chouffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Attends, il n'y en avait pas 8. 1, 2, 3, 4, 5... Non, 7. Non, c'est ça, les 7 orbes. On est OK. On est OK. Petite sauvegarde et on va voir... On va aller voir Empyrea. D'ailleurs, encore une fois, le délire des orbes d'Empyrea... comme je vous disais la dernière fois, je suis en train de lire les Dragon Quest Emblem of Roto, qui est une nouvelle série, bref, de manga. Et ça me fume parce que... Ça me fume parce que... Il y a totalement pareil les orbes d'Empyrea dedans et c'est trop bien. Tu as combien de tambourins de tension dans ta team? Bah, je sais pas ce que c'est, donc je serais tenté de te dire zéro. Qu'est-ce que c'est le tambourin de tension? L'item le plus craqué du jeu? Eh bien, non, je ne possède pas cet item. On va y aller comme d'hab, la bite, le couteau. Et on va voir est-ce que la magie habituelle du je vais péter le boss alors qu'il va me rester un perso en vie avec un PV va fonctionner. Voilà. De toute façon, on va voir si ça fonctionne pas, j'irai farmer en off et puis on se refera le combat de boss plus tard. Hein. Tu t'en es jamais servi? Ah non, mais enfin pour le coup, là, je... Non. Le jeu m'en a jamais parlé. Alors... Où qu'il est, le bidule, là-bas? Oh là là, comment ça le gros truc après le boss? Après le boss, il y a encore un boss? Oh mon dieu. Bonjour Tiketak. Nous allons prier et pour que cesse cette souffrance. Pour que cesse cette souffrance, la prière ouvrira la voie, la prière ouvrira la voie. Nous resterons ici, nous resterons ici, nous prierons. Je repasse là, ok. Ouais. Avez-vous trouvé les orbes? Oui. J'ai moi aussi trouvé ce que je cherchais. Je suis revenu il y a peu de temps. I have located that which may be this world's last hope. Now, I entrust it to you. Le dernier orbe, peut-être? Je sais pas. Ah bah! The scepter of Trodane! Careful with that! It's full of hocus pocus! Don't touch it! C'est le sceptre depuis le début? Ah d'accord. The scepter no longer harbors Rapthorn's soul. Now it holds only the souls of the seven sages. Over the passage of its long history, the truth behind this scepter has been lost. In the beginning, it was crafted by the hands of the seven sages under my instruction. J'aime bien le doublage d'Empyrea. Elle est toute pipou, toute posée sa voix. They called it the Godbird Scepter. You will need it if you are to break the dark shield around Rapthorn. Okay. Only when it is broken will he become vulnerable. I will fly you to his location. The Lord of Darkness will engage you in mortal combat. Coucou Sakakara.
Comment que ça va-t-il bien? But you must endure his attacks as you pray for the power of the scepter. When the four of you... Eh bah ça va, on arrive au boss de fin là, je crois. Je sais pas si c'est pour moi la question, Madara. Si tu parles des 7 orbes, j'ai été récupérer les 7. Si c'est pas pour moi la question, Gomene. To unlock the power of the orbs. Parce que vous prierez tous les 4 à l'unisson, vous invoquerez l'une après l'autre les âmes des 7 sages. Ok. D'accord. No more advice. Do you understand what you must do? Ouais. Let's go. Allez, bientôt légendaire BJ Victory. Merci beaucoup! Merci beaucoup pour ton reset, merci infiniment Zagagara, bientôt les 1 an! Merci beaucoup pour la PS5 à Noël! Let's go! Merci beaucoup pour le soutien! Ah oui, n'hésitez pas à passer en MP ou par le Discord, tout ça, s'il vous plaît, don't spoilance! Donc on arrive à la fin du game là. Ouais, on est prêt, let's go! Ok. You must fight him now. Ah, il y a un truc que j'aurais pu mettre dans mes sacs par contre. La gougoute qui remet les PV. Par le mystérieux pouvoir d'Empyrea, chaque membre de l'équipe reçoit le sceptre. Ok. Ouah, va y avoir des cinématiques en cours de combat et tout avec l'apparition des 7 sages. Si c'est ça, ça va être extrêmement stylé. C'est parti pour la bagarre! Ça rappelle le boss de Dragon Quest 11 qui avait aussi une barrière. Ah, on est passé? D'accord. Ok. Ouais, je pensais qu'il y aurait une animation. Alors, aptitude. Le petit giga, aptitude. De toute façon, on va voir très vite hein, si ça ne va pas. Sort. Attends, je suis où là? Et non, c'est pas toi que je veux. Oh. Putain. Ok. Méga protection. Ah, tout de suite, faut que je les désactive. Ok. Sceptre céleste. Priez. Sceptre céleste. Priez. Sceptre céleste. Priez. Oh, c'est ce que je disais, là j'y vais un peu au culot pour tâter le terrain, si ça va pas, j'irai farmer et on se le fera en fin de semaine. Ok. Ok, tout va bien. Ah. Ça fait un peu beaucoup. Et coucou Mara. Tout va bien. Comment que ça va? Et coucou Yuni. Comment allez-vous? Ouais, avec les 7 boules du coup. Oh, stylé. Ok. Combattre. Objet. J'ai encore un sceptre ici. Bah, faut juste que je trouve qui a les... Ok. Sceptre céleste. Lui, il va faire un multi-soin, tant pis. Ok. Et coucou, Greg. Et happy 4 juillet, toi aussi. Covidé de merde. Ça va? T'es covidé de genre juste covidé entre guillemets ou covidé en mode au bout de ta life? Oh c'est bon, j'avais rien mis, tu peux y aller avec ta vague d'énergie. Juste pas de problème. Avec une piscine remplie de glaçons. Il n'y aura plus de barrière, ok. Mais pourquoi mon multi-soin il est pas passé en fait? Attends, je comprends pas un truc. Ah oui, pourquoi elle s'est pris tout ça dans la tronche, elle? Sort, soin complet.
RPG. Allez, Boubzilla, là. On devrait être pas mal, là. Tout va bien. Oh, combien croustillante, non mais... Tu dis ça parce que c'est une pauvre pouffeuse. Aïe. Ah, elle s'était pris deux fois sa boule. Eh bah super, Zvat. Bonne ambiance. Un plaisir. Les prières ne sont pas suffisantes. Ah, mais faut absolument que ce soit les quatre qui... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Si c'est pas les quatre qui le font à chaque fois, ça ne fonctionne pas? Ah ouais, mais alors là, c'est la bézouille. Ok, alors attends. On va y aller autrement. On va y aller autrement. C'est l'enfer du cul. Voilà, on va faire ça. On va se mettre de la protect et puis let's go. Hein. Merci beaucoup, Madara. Merci pour ton follow. M'envoie pas ta boule. Ok, les buffs sont passés après. Là, on va pouvoir normalement. Yes. Objet, orbe. Objet. Orbe, objet. Orbe, objet. Orbe. Apéro là! Let's go! Bah, ce train-là, ça va être un coup sur deux, hein, pas plus. Je vais être obligé de faire un omni-soin un tour sur deux. Ouh, ouh, ouh. Alors, et de deux. Sort omni-soin. Défense, défense, défense. Ok, c'est impressionnant, mais c'est de la merde. Ok, la def, c'est la vie. Objet. Objet. Objet, on est à 3 là, du coup. J'ai pas compris tout de suite. C'est con, j'ai perdu 2 tours. Le seul truc qui me fait peur, c'est Jessica, Jessica la chips, quoi. Les autres, ça devrait aller. Ok, et de 3. Bonjour. Alors, sort omni-soin. Défense, défense, défense. Fais ton omni-soin, fais ton omni-soin, fais ton omni-soin. Pourquoi il a pas fait son omni-soin? Pas le héros, pas le héros, pas le héros, pas le héros! Oh putain, mais pas Jessica non plus! Yes! Parfait. Super! Oh la bite!
Sors. Ah, mais je veux pas que tu sacrifies ta propre vie. Résurrection. Ça va le faire, ça va le faire. Va bien se passer. Ce n'est pas fini. Vas-y, pète mes défenses. On fout la résurrection, ça le remet full life, mon Jackie, là. Je vais bien. Laisse-moi jouer. Ok, donc sort. On va faire un omni-soin. Toi, tu te défends. Non. Toi, tu fais une méga protection. Et toi, tu fais une résurrection sur la chouinette. Tout va bien. Et coucou, Casuel. Comment vas-tu? Bah oui, mais faut qu'elle revienne pour tripoter les boules, là. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Il me fait chier avec ses coups de boule, en vrai. C'est ça qui me met dans la sauce, là. Non, mais hey, ça va l'acharnement, en fait. Il est déjà passé son omni-soin ou pas? Je m'en fous, je le tente. Au pire, il remeurt, mais... Ça va, on le raisera, là. Il passe avant. Normalement, il passe avant, c'est Yangoose qui va après. Vas-y. Vas-y, Shaki pue. Yes, ok, c'est bon. Ah, je m'en fous. Il a claqué son attaque. C'est sur Yangoose. Meurs pas, par contre. C'est bon, t'es un boss. Il va faire méga bang, ok. Bon, là, Shaki pue meurt, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est le tour que je perdais. Il meurt pas! Il meurt pas! Chez! Et de 4. Ok, sort omni-soin. Tu te défends. Tu te défends. Et toi, tu mets une barrière magique. Bon, je préférais que l'omni-soin passe en prompt. S'il vous plaît. Merci. Ok, donc le mini-soin passe. Ok, je me repasse tour là. Yeah! Ça se défend. Il éclate de rire. Ah, mais il me les provoque pas par contre, hein. S'il les provoque, je peux plus faire ce que je veux. Mais arrêtez! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait en fait? Il aime pas Sénibar ou quoi? Ok, la boule. La boule. La boule. La boule. Let's go. Jessica, faut que tu fasses la boule avant qu'il joue. Jessica, s'il te plaît. Oh mais non. Mais y a pas d'effort. Depuis tout à l'heure, elle joue avant lui. Ok, pas elle. Putain. Et pourquoi? Mais ça sert à rien, ça sert à rien. Elle a pas fait. Bah oui, elle a pas fait, elle a pas fait, elle a pas fait. Elle a pas fait. Elle a pas fait. Omni-soin, méga protection, résurrection. Ok. Pas de décès ce tour-là, s'il vous plaît. On a quoi? 4 ou 5 bouboules? 4 bouboules, je crois. Enfin, on a 4 bonhommes, hein. Ah ouais, super. Tout va bien.
Alors, objet, bouboule, objet, bouboule, objet, bouboule, objet, bouboule. Ok, la chips. Détention, impact de ma carte, ça permet de donner une meilleure protection, surtout contre les coups de boule. La tension impact, je sais pas ce que c'est tension impact. Méga protection, bah oui, c'est ce que j'essaye de mettre, mais il me le vire à chaque fois. La méga protection, ouais, c'est ce que j'essaye de mettre à chaque fois, mais il me le virasse. Omnisoin, sort, ok. Il est où son truc, elle? Voilà. On va mettre un coup d'accélération. Quand tu fais tension avec un perso et que tu lances méga protection. Ah, d'accord. Ah non, moi ça je savais pas. Depuis le début du jeu, j'ai littéralement jamais utilisé la tension. En fait. Arrête de me provoquer. Bah, il n'y a pas besoin. Il n'y avait pas besoin, donc je l'ai jamais utilisé. Ah bah non, je l'ai jamais utilisé depuis le début du jeu. Ah non. Attendez. Je vous lis après. Est-ce que je me foire pas? Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules. Tu as le sort réflexion qui protège aussi la magie. Ouais. J'aime pas l'attention, en plus c'est hyper rageant de appeler l'attention max, et le boss se la vire. Oh non, bah c'est même pas ça, c'est que ouais, j'y ai pas pensé, puis vu qu'on a pas vraiment galéré plus que ça pour les boss. Allez, je crois que je suis à 6. En fait, il y a qu'Empyrea qui m'a fait galérer, hein. Et encore, j'ai été farmé un coup et c'était ok après. La première fois qu'on y est allé, elle nous a roulé dessus. Après, on l'a éclaté littéralement. Donc, c'était plutôt ok. Omnisoin. Défense. Non, il m'a fait son truc, hein, je crois. Sort. Méga protection. Défense. J'ai un autre truc. Tu vas mettre barrière magique. Ça fait plaisir quand le heal passe avant tout le reste. Ok. Vas-y, rira bien qui rira bien, mon pote. Je t'envoie ma dernière vague de bouboule, là. Bon, j'espère que c'était ça, la phase la plus chiante du boss, parce que c'est chiant. C'est comme dans l'idée que la réponse est non. Surtout que mon héros, là, il a déjà quasiment plus de mana. Ouais, ouais, il se moque de moi, mais tu vas voir, rira bien qui rira, hein. Ça va être la vengeance. Ok, il me débuff, c'est pas grave, petit bâtard. Il m'envoie sa bouboule. Qui sait qui a pas utilisé sa boule? Normalement, ils sont full vie, donc c'est ok, même si elle s'en prend deux. Eh, vraiment, il a un problème avec elle. Hein. Ok. C'est le dernier. This is the last one. Oh, mais c'est un enfant! Ok, ils sont tous là. Let's go! Oh, la gueule de Yangus. Yangus, vraiment, le héros aussi me bute au niveau de ses expressions, mais je crois que Yangus, c'est vraiment le perso où il a... Ses expressions me font mourir de rire. J'aime trop quand il est en mode... Ok. Bon, on est en train de perdre la pouf-poufeuse, mais c'est ok. Le boss du 11, il était bien Dragon Quest 11.
Et pourquoi c'est l'enfant qui a l'air d'être le big boss là-dedans? S'il pouvait me regain aussi. Ah ouais, avec ses saperlipopettes. Ok. Ah, c'est tout. Une petite régène. Oh oui, la régène, merci. Oh, je vous kiffe, merci. Thank you very much, bro. Medley pests. How much more of my time will you waste? Allez, on va défoncer Graffard. You will rot in hell for breaking my shield of darkness. But first, you will taste the true. Ou peut-être qu'il va nous défoncer. My flesh and blood. You shall taste the terror eternal. Even c'est ça, tu rigoles moins maintenant, hein? Hein? Respite. Alors attention, clignez des yeux une seconde. Attention, 3, 2, 1. 3, 2, 1, clignez. Voilà, vous pouvez décliner des yeux. Angelito. Il est où son truc? Merde, il était où son truc à lui? Pas une petite attaque du faucon. Ouais, ça lui va pas mal, je trouve, Graffard. Allez, accélération. Let's go. Pourquoi faut cligner? Non, mais c'est bon. C'est pour rien. C'est rien. Je ne dévoilerai pas. T'as rien vu? Parfait. C'est. Faut que je cache mes. Allez. Une pluie de météores? Ah ouais? Ok. Non! Oh bah non! Don't dodo Ted, my friend. Il réveille, lui? Stimulation, est-ce que ça réveille des effets du sommeil? Oui. Sors, et toi, je voulais que tu fasses quoi? Oui, je voulais que tu fasses... un petit décuplot. Tu vas lui découploter. Oh bah ça va aller, parce qu'après Yongus il va baisser sa def. Allez debout là-dedans. Oh oui, petit bras musclé par contre. Calmez-vous. Ok. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Tu as l'attaque Papinamite avec la vague de Papy? Oui. Oui, je l'ai. Elle est rigolote. Mais attends, c'est pas ça que je veux. Je veux d'abord qu'il me fasse... qu'il me descende sa def. Angelo, il va partir sur du multi-soin. Et de l'accélération. Ouais. Elle est marrante cette attaque. Bah, mine de rien, ils ont tous une attaque stylée. Enfin, ou rigolote. Mais y'a que. Y'a que Jessica où j'ai pas trouvé c'est quoi sa grosse attaque de fin de, d'arbre de talent là. Je sais pas de quoi elle est censée avoir hérité elle. Pas bien. Ok. On va baisser sa def.
Rire à moins qu'il rira le dernier. Le tambourin, sinon Osef. On va quand même. Multi-soin. C'est le 30e mois. Et dans cela, coucou ma copine, plus petit que 3. Et coucou les Didi, putain, 30 mois! Merci beaucoup, merci infiniment pour ton resub. Merci beaucoup pour ton soutien. Putain, 30 mois? Ça veut dire que ça fait 30 mois que j'ai activé les subs? C'est ouf. En vrai, c'est ouf. J'espère que tu vas bien, copine. C'est ouf, ce courage. Ça fait au moins tout ça que je vous supporte. C'est... Pouf. Plus, en fait... Ah non, non, que je stream, mais si tu te souviens pas, je voulais pas l'affiliation au début. Mais non, mais ça, c'est un plaisir, Lily. Là, vous me parlez d'un plaisir. Bah oui, on a fêté les 5 ans de stream cette année. 34e mois, toi. Oh la vache. Et bon anniversaire, Youni. Comment ça, il médite? Excusez-moi, it's a joke. Oh, la baise. Just la baise. Je vais tenter une méga glace. Tiens! Il s'en bat les couilles. Ah ouais, s'il médite trop souvent, par contre, ça va être compliqué. Don't meditate, bro. Ouais, bah, j'ai fait une tentative. Mais souvent, sur les boss, c'est un peu éclaté au sol. J'ai l'impression. Vous me rappelez une fois que le boss m'a défoncé ou que j'ai défoncé le boss? Quoi? Que je rajoute le sub de Lady Di, s'il vous plaît. Sur la barre du gift. Ok. On va faire un omni-soin. Hein. Par lâche. Ah ouais. Torage. Accélération. Ouh. On va se mettre une petite barrière magique. Tout va bien, Jessica. Ouais, j'allais dire, ça va. Elle tient, la magie, elle tient. Je pense que voilà, mon animation d'attaque préférée. Je la trouve beaucoup trop stylée. Oh, petit 216. Ok, ok, je prends. Par l'âge, ça devrait être pas mal aussi, normalement. Ouais, ils font à peu près tous du 200, sauf Jessica. Allez, un petit giga. On m'a dit que c'était quoi ça, putain, hein? Le sérieux, dégâts. Il est réussi. Enfin, je vais tenter l'exécuteur. Un petit orage, et elle va faire quoi? Eh ben, elle va faire quoi, du coup? Décuplo, augmente l'attaque. On va augmenter l'attaque de Yangus. Lui, il fait des coups directs.
Ah bah parfait. Oh, 300, ok. Souffle de givre. Ah, il va endormir quelqu'un. Oh, mais non, m'arrêtez de rompiche, monsieur. Sa défense revient à la normale. Ok, je vais pouvoir lui mettre une petite méga alté. Aptitude, non. On va faire un multi-soin. Et elle... On va lui mettre une alté. Ça devrait passer, normalement. Avec Jean-Michel qui rompiche à côté, c'est terrible. Hop là. Dire que je viens de le buff pour qu'il tape plus fort. Quelle tristesse. Ok. Ah bah celle qui va s'en occuper de ça. Ok, ça le réveille normalement là. Tout va bien. Ok, il est réveillé. On va faire un omni-soin par la hache. Hop. Et elle va continuer à les taper un petit peu d'altération. Si on peut baisser encore un petit peu sa def, normalement. Oh non! Oh la boule! Fait chier la boule! Fait chier la boule! Je crois que c'est son attaque qui m'emmerde le plus en vrai. Oh! Oh le petit 422! Oh mais Yangou, ce que je t'aime toi! Oh vraiment hein! Je te kiffe. Aptitude. Tac, sort. On va rester sur de l'alté. Il y a un moment, de toute façon, ils vont me dire stop it. Ok. C'est assez, dit la baleine. Il aurait pu taper s'il m'avait pas embêté, lui. Par là, tu me refais un petit 420 où je suis... Pouf. Oh là là, mais quel incroyable personnage. Yangou, ça me vipille, hein. Arrête avec ta boule, t'es chiant. Combien il a de PV, lui? Il a 5600 PV. Mais c'est pas beaucoup. Eh, mais il a pas tant de PV que ça, en vrai. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Parce que à coup de 400 dans la tronche... Ah, très bien. Bonne ambiance. Vous m'avez coupé le sifflet. On va lui mettre un décuplot en plus. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Allez, let's go. J'y crois, j'y crois. 250, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, là t'as été décuploté et tout, là, 500. Quoi? Mais comment ça je le décuplo? Il fait moins de dégâts, mais gros con. Je ne le dirai pas. Il nous envoie son mot interdit. Tout va bien. Tout va bien. À peu près. Elle résiste. Oui. Ouf. Sa sphère, exactement. Sa forme ronde. On va faire un omni.
sa balle. Oh oui, sa baballe, c'est bien ça. Voilà. Il nous envoie sa baballe. J'aime bien. La boule magique. Oh non! Non, je l'ai dit, merde! Ah! Ah, 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 ah! Oui, pourri. Allez, vas-y, Yongus. Oh, 409. Mais vraiment, hein, incroyable. Just incredible. Ça va, Empyrea, elle bronche pas. Hein. Ok, sa défense revient à la normale. Jessica, let's go. Aptitude, hop. Aptitude, hop. Lui, il va nous faire un multi-soin pour être sûr. Et elle, une petite alté. Ah, dommage que l'alté soit pas passée avant. Il y a une P2? La P2. Il va faire pouette. Bah attends, mais le talent là, non? Est-ce que ce boss n'était pas finalement assez easy par rapport à Empyrea? Est-ce que Empyrea n'est pas le vrai boss de fin du jeu? Attends. Il y a forcément Roche Swangi, là, c'est pas possible. Et j'ai quelque chose à dire à Alistair aussi. Qu'il était right tout le long. J'ai seulement fait ça si loin parce que j'ai suivi mon cœur. Angelo le charreau. Ouais, franchement, en Pyra, c'est celui qui m'a posé plus de problèmes. Ouais. Non, mais attends. On est sur un boss de fin sans, sans P12 là? C'est ça qu'on est en train de me dire? Non. Je suis assez dubitative. But even he couldn't spring up in a place like this, eh? I transported your friends back to their homeland. Ah, Medea, elle va peut-être. Bah, du coup, normalement, elle va avoir retrouvé son. Oh, le héros, il se marie avec Medea, attends. Is a great hero. Yangus. Jessica, I will never forget your strength and courage. You remind me of the Seven Sages. You humans never fail to surprise me. It is time to land. Your friends are eager to see you again. T'as toujours pas pigé qui était le héros? Comment ça? Ah, j'ai raté un truc? Bah, je sais pas, pour moi, le héros, c'est ce qu'on nous dit depuis le début, c'est un garde du palais de chez Medea. Je... Non? It's a trap? Now you can be with your friends again. Oh bah arrête. Alors j'ai non, alors là, tu peux pas dire hein, c'est un des jeux où j'ai le plus fait les blabla hein. Là non, tu peux pas dire ça. Après oui, j'ai pas fait le cycle jour nuit à aller reparler à tout le monde parce que ça me fait chier, mais non. C'est là
excusez-moi, mais je m'offusque, je m'insurge. Mais pourquoi la crotte de nez, c'est toujours une crotte de nez? MRCR, Féo. I saw you all in action. My wonderful men. You were magnificent. I am one of your men. Et Remao. Neither am I. Oh, qu'est-ce que ça mange de bon ce soir? Je sais pas ce que je vais manger d'ailleurs ce soir, moi. Gazpacho de merguez. Waouh, ok. Au revoir, Empyrea. Wise bird, a god. Are you leaving us already? This world is in no danger now. My path leads to other worlds. I see. Well, anyway, we are in your Wait a minute! Aren't you forgetting something? What about the princess? Bah oui. Just how long are we going to have to suffer this outrageous curse? Well, the power of Rapthorn's curse is weakening. Okay. It will not. Really? Splendid. Et coucou Liam. Comment que ça va? Well, I don't know where your next destination is, but take care. Is it proper to tell a god to take care? I am not a god. Ah bon? Nor is my real name Empyrea. These are but the names you humans have given to me. I was known by a different name in the land of my birth. Bah ça va nickel, merci. En train de finir Ramia, ok. En train de finir Dragon Quest. But now I must. Eh bah bisous Ramia alors. Goodbye, brave humans. Elle s'appelle Jacqueline. Je s'appelle Gertrude. Bye bye. Très joli par contre son chara design. Ah bah oui, c'est son petit qui va avec elle. On lui rend son fantôme de bébé. Oh! Ça y est. Granddad, you're sparkling. It's taken you this long to notice. Personality rich as mine, always sparkling. Mais oui, papy. Nah, I mean literally. Take. Ah, ça y est, le revoilà. Oh là, mais oui, mais il a littéralement la même tronche en fait, il avait juste changé de couleur. Hein? Yes. Ah. Hurrah, I'm back. Finally rid of that hideously ugly guy. Je m'y attendais pas. Non mais c'est ça, on est totalement sur du soft color, hein. La même taille, tout pareil. Bah voilà, t'as fait l'air différent. On est d'accord. What did you say? Are you blind? Yongus, non mais vraiment, le génie, hein. Meilleur perso du jeu, hein. Après, alors, Yongus, meilleur perso après le barman de la ville des monstres, hein, qui restera absolutely priceless. De par sa diction incroyable de franglais. Ah oui, Amédéa. Il y a Jean avec Yanko, sérieux? Ah, la revoilà aussi. Hello everyone. La jolie Amédéa. Your
beloved Medea. At last the curse is lifted. Everything is back as it should be. Father. C'est cool les donjon crawlers, j'aime bien. Oh. Quoi, tout le monde se transforme? Hey, look. Ah non, c'est les ronces qui se barrent, ok. Wow. My castle is back to its old self too. Le château de Pichu. Trodane is restored. The glory returns. Eh, mine de rien, j'ai presque de la peine, hein. Parce que là, oh oui, Uni, mais là, vous vous rendez compte quand même que ça veut dire que Medea est redevenue normale. Ça veut dire que Medea, ça y est, elle va devoir se marier avec l'autre con. Je vous rappelle qu'elle est fiancée à un résidu de fond de capote. Hein. Ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Hein. C'est... J'aurais préféré rester un poney, hein, très clairement. Après cela, la princesse ne mangea que de l'herbe, ce qu'elle laissait par la malédiction. Ah ouais, le char nul, là, c'est terrible. Et cette fin de Rosero, au fait... J'ai raté, tout raté, que pas ? Avec Trouduc, ouais, ouais, c'est... Tout marche, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais attends, mais par contre, je comprends pas, là. J'ai raté un truc. Et merci beaucoup pour les ronrons. Comment ça, le héros on sait pas c'est qui, le héros. Qu'est-ce que j'ai raté, là? Il y a une suite au jeu? Ah oui, apparemment, il y a un truc après. Alors, oui et non. Ça dit un nouveau départ. Contrairement aux apparences, le jeu ne se termine pas sur cet ultime affrontement. Après le générique de fin, n'oubliez pas d'enregistrer votre partie. Lorsque vous lancez la partie signalée par une étoile, vous vous retrouverez à Argonia, juste avant la bataille contre le dernier boss en possession des objets que vous venez d'utiliser lors du combat final. Vous avez alors accès à un endroit situé à proximité, où de nombreuses informations concernant le héros vous seront révélées. En outre, des surprises vous attendent au Shadow. Dans la cathédrale. Bon, on va voir, hein. Hello, Emo! Merci beaucoup pour le raid, Emo! Comment que ça va-t-il bien? Et bienvenue! Bah, c'est pas vraiment une NG+. Coucou, Emo, comment que ça va? On va aller voir, parce que s'il y a un truc sur le héros, moi je veux savoir. Hein. Tout le monde dit c'est sauf moi, c'est pas bien. C'est pas bien, moi je veux savoir. Plusieurs mois plus tard. Et coucou colonel, comment que ça va-t-il bien? T'étais sur quoi de beau, Emo? Ouais, j'ai fini le zéro, là, on est sur R1. Bah écoute, je l'ai trouvé sympa, le zéro. En vrai, ça va. Returnal? Qu'est-ce que c'est que ça, Returnal? Sur PS5? Oh, tu fais partie de l'élite qui possède la PS5!
Yeah, I've been doing a bit of trading, you know. Ah oui, je suis sur la PS5 pour Noël. Yes. And selling stuff in all the places we went to together. Je suis sur RE1 du remake et j'ai commandé là, bah, il doit être dans ma boîte aux lettres, mais je suis pas allé encore. Resident Evil Résurrection, réincarnation, réparation, le ré quelque chose là, récapitulation. J'ai oublié comment il s'appelle. Révélation, voilà. Celui-là. Le 1 est dans ma boîte aux lettres. Réservation. Exactement. On est là-dessus. Voilà. This bird, mate of mine's been bugging me. Du coup, bah, dès qu'on a fini le 1, on part sur réservation 1 et 2. Ah bah je suis dessus, Madara. Je suis en train, je fais la saga complète. Donc là j'ai fini RE0, on est sur RE1. On m'a dit la dernière fois que j'étais à peu près à 60% du jeu. Donc on a passé la moitié. Après je ferai Révélation 1 et 2. Après je fais le 4, le 5, le 6. Et puis voilà. Je fais pas le 2 et le 3 parce que je les ai déjà fait. Et le 4, je vais faire la version originale et on fera le remake quand il sortira. Eh bien écoute, bienvenue à toi une nouvelle fois, Madara. Et petit code Véronica, oui, je on le fera, Sakakira. Je sais pas quand, mais on le fera. Oh, listen to me. She ain't an horse anymore, is she? Notre pouliche royale préférée, yes. So we're escorting the princess to a wedding at Savella Cathedral, right? Cuphead, il est vraiment cool. La DA de Cuphead est incroyable. Mais non, mais c'est ça! Elle l'épouse quand même, charnue, laisse quand même près des crocs de cravache dans le cul. On va peut-être apprécier après, mais... Des bisous, Emo! Bon appétit à toi et merci encore pour ton raid. Bisous. So you can go and fetch it from a room like. Après ça ne nous regarde pas. I'll be waiting down in the courtyard then, eh? See you in a bit. Voilà les goûts et les couleurs, ça ne nous regarde pas. Alors, attendez, avant que j'oublie, je vais juste ajouter le sub de Lady Di. Tac, nous arrivons à 35, boum. 35 subs pour la PS5 pour Noël. YOLO. Alors, bim bam boum. Ils ont dit qu'il fallait sauvegarder. Et qu'après, il fallait relancer. Je pensais que ça allait me faire revenir directement. Oh, mais regardez, il est encore en train de charoter, quoi. Vu. Non, mais... Angelo, quoi. So it seems that you have the honor of escorting the lovely princess. I just ran into Yangus too, same as ever. Hôpital La Charité. I'm a busy man, as you know. So I wasn't too thrilled at first at having to drop everything and come over. Anyway, are you really all right with this wedding going ahead? You don't have to stick around if it's too hard for you. Just do what you have to do, my friend. Like I did when I left the Abbey. J'avoue, je suis un peu dégoûtée que Medea se marie pas avec Shaki, puis par contre. Angelo's so wonderful. You know, he looks after children who don't have anywhere else to go. C'est pas moi, Liam. C'est eux, sortis du contexte. Je sais pas d'où ils sortent ça. J'ai honte. J'ai honte de cette commu des fois. Je suis désolée. Isn't he just the sweetest man you ever met? Excusez-les. Hey, no need to tell the whole world. I have a certain image to maintain with my admirers. Y a rien qui va. Well then, see you in a bit. I'll be down in the courtyard taking a break. Come and find me when you're ready. Ok. Je ne puis accepter ça. C'est... Et bah, go to the garden alors. Il me
me faut la clé, je peux pas sortir. Allô, j'ai sauvé le monde et je peux pas sortir. Quelle est donc cette ville grédinerie? Ah bah moi j'aime bien les jeux que je fais en fait. I streamed for the game, hein. Comment on s'en va d'ici, là? Attends, mais c'est pas possible, il va pas falloir que je fasse tout le château. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais attends, mais d'où? Qui m'a fissuré l'anus? Enfin, non, mais d'où ça... Putain... D'où ça sort, ça? Quoi? Non, vraiment, je m'offusque, je m'insurge. Je... Non, non. Non, 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 il y a du out of context, là. Je... Non, non, non. Moi, je dis pas des trucs comme ça. Je dis pas ça, moi. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Pourquoi je peux pas sortir? Laissez-moi sortir. Ah. Non, non, non. Vraiment, je... C'est terrible. C'est terrible ce que vous faites. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Et coucou, Duncan. Comment que ça va? Te voici, Chakipu. J'ai demandé à l'un de mes amis de te remettre un message. L'as-tu reçu? Dans ce cas, si tu veux bien aller chercher la princesse dès que possible. Oh, mais non, mais... Non, non, non. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je monte. Faut que j'aille chercher la chouinette, là. Oh. C'est terrible. Plus que 5 jours avant les vacances. Allez. Elle est où, la princesse, là? Jacqueline. Ah. Il est là, Yongus. Il y a quelque chose qui cloche. Comment ça se fait que t'es pas encore allé chercher la princesse? Ben, je sais pas où elle est! Oui, c'est le nom de mon chat, Liam. Il est là, attends. Transition. Voilà. Lui, c'est Chakipu. Le Saint Chakipu. On s'est fermé, on a dit, Jean-Michel. Oh, faut que j'aille chercher Jacqueline. Bon, bah, let's go. Oui, oui. Elle est où, la princesse? Princess, you, princess. Voilà, faut que je la cherche partout. Ah, c'est bon. Ah, Jessica, yes. Salut la poucoufeuse. Long time no see. Ah va. Allez, bravo, bravo. Bravo, Svetlia, bravo. Well, that's for sure. Ah. But how come you haven't visited me in Alexandria? I've missed you. You know, I was planning to go off and live on my own. But my mother was so worried, I ended up settling down back at home. I guess the time I spent away from her made us both realize what's truly important to us. We get on really well now. Et coucou, Akira. Comment que ça va-t-il bien? I'm not much of a replacement for my brother, but I've decided to stay and look after Alexandria. With everyone's... Oh. Il suffixe. But enough of that. Have you heard? Apparently Yangus and Red have teamed up now and they're doing something. Oui, j'ai officiellement fait mon deuil d'FF15, hein. C'est bon, le jeu est fait, les DLC sont faits, c'est OK. J'ai le droit de cracher allègrement sur le jeu. I wonder what went on between them. Huh? You're on your way to pick up Princess Medea? Yeah, I guess it's time to get going. Okay then. Ouais. I'll be waiting for you. À toutes. Y'a que Poitriaz. Comment que ça va-t-il bien? Bon alors, elle est où, Jacqueline? Salle du trône?
Mais vraiment, elle va se marier avec Charnul. Qu'est-ce que vous voulez me proposer avec les points? FF15 est déjà fait, c'est pas la peine de claquer des points là-dessus, c'est non. Il est déjà fait, it's over. Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Elle est où la Jacqueline? Je n'arrive pas à croire que le trésor royal qui se trouvait à l'étage... Ok. Non, on n'en parle plus, Lady Di, promis. Bon, c'est juste pas là, en fait. Trop bien. Non, 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 il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir. Je préfère m'arracher une couille plutôt que de refaire FF15. Ah, bah voilà. Je suppose que c'est la dernière fois que je vais jouer le piano comme ça ici. Je me demande si il y a un piano que je peux jouer en Argonia. Bah non, je dis pas des choses comme ça. Je... Pardon, de quoi... de quoi ça s'intitule? Excusez-moi. Est-il? Moi, je suis la plus virile d'entre vous, je vous l'ai déjà dit. Oh. C'est moi le bonhomme ici, là. Tu es loutré? Loutré, loutre gaming. Oh, C'est nul. Oh les merde. Bon, elle était bonne. Oh vraiment. C'était très mauvais. Voilà. Ah bah super. Très bien. Bonne ambiance. I have to marry the Prince of Argonia to fulfill my royal duty. Elle est en train de nous faire une déclaration d'amour. À peu près. Allez. Allons-y, là. Je m'en fous de son mariage avec Charnul. Je veux savoir c'est qui le héros. Sur un malentendu, Charnul sera devenu un peu moins nul. Qui n'y croit pas? Ah super, bah bonne ambiance, yes, voilà. Après on me dit qu'on a la connue qu'on mérite, hein. Comment, à quel moment je mérite de me faire bully comme ça tout le temps? Je comprends pas. Moi qui suis paix et amour, je ne comprends pas. Plus que 2 jours et je serai un vieillard. Oh, bientôt l'anniversaire? Quel âge tu auras? Est un vieillard. Est-ce que quelqu'un peut ban Rias, s'il vous plaît? Merci. Petit con. Ah, on retourne là? Ok. Tu viens de faire mal à la quasi-intégralité du chat. Moi, je fais que les défendre parce que je sais que ma commu est vieille. Moi, personnellement, je n'ai que 18 ans, je ne me sens pas concernée, mais... je sais que j'ai une communauté vieillissante, donc un peu de respect, merde. Excellent work, young man. You did an admirable job of escorting us. Your duty here has now been fulfilled. You shall stay the night at the inn.
and return to Trudaine tomorrow. But I thought they'd all be attending the wedding. I'm sorry, princess. On n'est même pas invité. I'm afraid that won't be possible. Oh là là, oh char nul. Oh, il a toujours la même tête de con, c'est terrible. Well, well, pleased to make your acquaintance indeed. I am Prince Charmley of Argonia. Goodness, you must be Princess Medea. Charmed, I'm sure. Au secours. One look at you is enough to make me forget all the other beautiful girls I've ever met. Ok. I'm the luckiest man in the world to have you as my wife. Blimey. What's with all the romance? I didn't know you had it in you, Charnul. Charmless. Hein? It's Charmley. Oh, aren't you those servants from the initiation? Si, si, c'est nous. Oh, no doubt you're here because you heard the news of my wedding. Well, I'm afraid this... Oh, non mais il est toujours aussi con en fait. I can't possibly have commoners like you at such a grand royal affair. On peut pas genre kidnapper Médéa, mais je sais pas, fais-lui bouffer une tarte aux pigeons là. Je coucou la patate. Eh, c'est toi la patate. Et coucou Dark, merci beaucoup pour ton récemment signé infiniment pour ton 20e mois. J'espère que tu vas bien. Waouh. Et merci pour la BS Zing à Noël. Bien entendu. On pourrait lui mettre une petite crêpe au cyanure. Ouais, je prends la crêpe au cyanure. Insupportable. Insupportable. That brat is unbelievable. Can't let us in on account of our being too common, indeed. On a juste sauvé le monde en fait. Lol. It's been a while since the initiation, but he is still just as obnoxious as ever. Non, pour la PS5 à Noël. Au-dessus du stream, il y a une barre de Gaulle. Je mets tous les dons de côté pour que je puisse acheter une PS5 à Noël, faire les nouvelles sorties Final Fantasy. En fin d'année. Are you really going to let this happen? Ah non, oh, s'il vous plaît. Oh oui, il y a des gens fatigués ici. Chief of the palace guard to protect the princess's happiness. Pas content, Angelico, là. Eh ben, je vais, Ria, je vais. Oh là là, ça y est, c'est le moment. Quel enfer du cul. Rise and shine, Gav. The princess will be getting itched in a bit. Oh ben merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Anonymous. Je sais pas, mais qui pourquoi? Faut pas se mettre en anonyme, c'est très gentil. Merci beaucoup pour le gift. Merci pour Duncan. Est-ce qu'il n'y aurait pas un croc-croc sauvage dans le coin? Mais vous savez ce que ça veut dire, le gift! Allez, ça fait longtemps! Merci! Merci beaucoup! Oh, merci beaucoup, K.O. Oh, c'est le tchou-tchou! Attention, le switch pour K.O. Merci beaucoup! Merci K.O. Wouhou! Merci pour le train de life! Merci beaucoup pour Rodi! Merci infiniment pour les sub gifts! Merci! Toutou! 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 Et merci beaucoup, Mao. Merci beaucoup pour des beats. Mais bisous, le chéri de Mao. C'est un plaisir de vous faire flipper. Wouhou.
Merci beaucoup, maman, encore une fois pour les bits. Merci beaucoup pour le train de live, les coupings. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bah moi, c'est vous, hein. Vous faites des gifts, c'est la scène creepy, voilà. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Mao, pour les bits. Merci beaucoup, merci beaucoup. Une bise à ton chéri, d'ailleurs. Ah, 96 pour 5 du niveau 1. Allez, vous passez le niveau d'os. Et merci, Mao, encore une fois. Merci beaucoup. On peut devenir double VIP ? Une VIP. Non, on peut pas. Par contre, tu peux offrir tes points pour passer VIP quelqu'un. Bisous, bisous. Bah oui, oui, c'est ce qu'il a fait. Le petit temps pas fait, là. Il a filé ses points pour que sa Kakara soit VIP. Faut que tu arrêtes le kawaii, sinon on va devenir aveugle. Ah, mais tu n'as pas vu la scène la plus... la pire. J'en ai 6 des différentes, Mao. J'aime bien faire ça. Je trouve ça rigolo. C'est ma petite rigodrolade. Anyone would notice you among the crowd. On va y aller quand même. J'ai un doute. Est-ce que j'ai ajouté celui de... Je crois pas que j'ai mis celui de KO. Au pire, je vous en offre un. Ah, j'ai pas gardé le son oh yeah, mais j'ai refait toutes les scènes la dernière fois. Allez, allons voir ce mariage. What a crowd! I can't see a thing from here. Oh, pauvre gamin, cette coupe est interdite. What's going on? Has it already started? On peut avoir des points, on peut avoir des blagues. Bah, si Yuni un jour il me renvoie des blagues, on pourra remettre les blagues de la honte. Hein. Sinon, faudrait que je me prenne un site de blagues random, faudrait que je regarde. Ah, je peux demander à ma mère de m'écrire des blagues, sinon elle a ce qu'il faut, mais c'est souvent dessous de la ceinture, ça va être un peu. Un peu gênant. Hey, stop pushing. Oh bah alors. There you are, Gav. I knew you'd turn up. Right, this way. Follow me. Oh, j'aimerais bien Liam qu'il se passe un truc, ouais. Normalement, il interrompt le mariage, hein. C'est lui qui doit se marier avec Medea. C'est pas charnu, hein. Well, we've got this far. Now, we just have to take care of that knight. Ah, faut que j'y aille. Ah, pardon. Et merci beaucoup pour le train, les copains. Chouchou, merci beaucoup. Halt, il est interdit de s'approcher davantage avant la fin de la cérémonie de mariage. Vous devez attendre devant la cathédrale. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes sur la liste des invités? Oui. Un moment. Tous les invités sont déjà dans la cathédrale. J'espère que vous ne songez pas à entrer de force. Si. What? Mais non, mais moi, pour moi, il faut qu'elle épouse le héros. C'est pas... Là, elle va épouser un gros con, littéralement. Charnul, c'est vraiment le pire choix, quoi.
Rien que de dos comme ça, il m'insupporte. Ah non, non, pas Yongus, le héros. Oui, non, mais c'est ça, c'est forcément parce que c'est un bon parti. Hein. Non, mais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette pose? Ah bah non, il est pas mort. Ah, le prêtre? Ah, j'ai pas fait gaffe au prêtre. Mais on a sauvé le monde. Pourquoi on nous traite comme de la merde? Ah. What is this true? Ah, what is it, father? Tell me it. It seems the bride, Princess Medea, has disappeared. Encore? Ah, mais oui, le mec du. Attends, il sort d'où lui? Oh, ça doit être son jumeau maléfique, Yuni. Je crois qu'il était mort dans la prison, lui. Oui, elle n'a pas pu disparaître d'elle-même parce qu'elle ne veut pas du tout t'épouser. Ah, mais c'est parce que il voulait que personne vienne, Mao. On n'est pas assez bien pour lui, du coup. Mais il a craqué Jean-Michel Charnul, là. Cours, chat qui pue, cours! Bah non, Médée a disparu. Qu'est-ce qui se passe, Garth? Où est la princesse? Hey! Get over here! Je veux dire, c'est Angelo qui l'a kidnappé. King Crode and Princess Medea are surrounded by soldiers down there. What? You what? I don't get it. Non, mais c'est quoi cette fin de jeu improbable là? Je comprends pas ce qui se passe. It don't look good. Stay right where you are. Mais calmez-vous! Mais. Je répète à quelqu'un qui a sauvé le monde. Mais non, mais attends, je. Au secours! Attends, il y a trop d'infos là! Leave them to us. You just get the princess and King Crow to safety. Qu'est-ce que c'est qui. Quelle est donc cette ville grédinerie? Et coucou Evan! Comment que ça va-t-il bien? Excusez-moi. Mais quoi? Mais ils sont en train de l'attaquer en plus. Ouah, arrêt petite brindille, incroyable. Ah, there you are, just in the nick of time. I knew I could depend on you. C'est quoi le problème? You have to take Medea and escape from here at once. Très joli en marié, Medea. Ah, bien. My country's honor matters not one jot compared to her. Ok. Trot est en train de remonter dans mon estime. Hein. My marriage was arranged by our two families long ago. I thought I had no choice but to accept. Allez, elle va lui faire une déclaration d'amour. Ils sont obligés d'aller dans. C'est pas possible. I always saw it as my duty as princess. But I simply can't abide him. If it's a choice between marrying that twig voilà and being a horse, you can make mine a grass sandwich. Vas-y, dis-leur, Medea. I can't live my whole life denying my true feelings. Take my hand and let's run away allez together. Please. Oui. Mais oui. Mais oui, meilleure fin. Ah, c'est trop mignon. Oui. Voilà, c'est le héros qui mérite la princesse, pas l'autre naze. C'est nul. Oh mais non, mais alors là, mais juste... Ta gueule. C'est trop mignon.
Je ne te laisserai pas gâcher ce moment. Oh, j'ai... Ouais, imagine, j'aurais dit non. La pauvre. Allez, dégage, char nul, là. Comment ça, c'est gnangnan? Mais je... Pas du tout. Oh. Laissez-moi kiffer cet instant. Attends. On s'est fait chier à sauver le monde, on peut bien pécho la princesse, quoi. Oh. Mais vraiment, cher nul, mais quelqu'un lui dit de se taire un moment. Voilà, ça c'est son père. J'aime bien son père. Et là, il va se chier dessus. Voilà. Gros naze. You think that just because you're a prince, you can solve everything with money and power. But I got that huge organ heart during the initiation. Oh, est-ce qu'il va lui dire qui c'est? Enough of your lies. I know the truth. Voilà, maintenant tu restes bien mignon. Bisous. Alors non, c'est pas une couille de mammouth, c'est une couille de dinosaure. Et c'est pas la plus grosse des tailles. On en avait chopé une bien plus grosse que ça. Et bah, mariage... Mariage avorté, hein. Oh, Mimi. Cool, blimey, father. Ah, c'est pas faire des saperlipopettes aussi, dit. Just married ou presque du coup. Allez, on le fait à ta place. Ça va, petite happy end, ça fait plaisir. Oh non, c'est Angelo qui va se mettre avec Boobzilla, je pense. En vrai. Bravo! Un super classique, ouais, mais toujours aussi efficace. Moi, je trouve que c'est ok. Maladori. On est sur un JRPG à l'ancienne, hein. C'est ok. Et paf! On peut te dire qui est le héros? Bah ouais, du coup, j'ai raté un truc pour le héros, hein. Héros, bienvenue dans la commu des cats, Mr. John Can. Qu'est-ce que j'ai raté sur le héros, du coup? Les JRPG, j'apprécie, mais ils ont, comme on dit, un goût pour les fins. Convenu enfantin et gnangnan, mais c'est sympa. Ouais, bon après, moi ça me dérange pas. C'est, si tu te fais ton petit bingo, c'est vrai qu'il y a des cases que tu peux cocher dans tous les JRPG, quoi. Hey, coucou Nanou! Oh, ça fait une éternité! Comment vas-tu? Comment vas-tu? Le roi d'Argonia avait un frère qui a abandonné ses prétentions au trône. Il est parti vivre ailleurs avec la femme qu'il aimait. Et le héros est le portrait caché de ce frère.
D'accord. Oh bah oui, bah effectivement, j'ai pas du tout... Bah j'y étais pas du tout, du tout, du tout. Ok. Oh merde, t'es covidée aussi. Oh, vous êtes plusieurs là à avoir chopé cette merdouille. Est-ce que ça va? Est-ce que t'es covidée sur le papier ou est-ce que t'es covidée genre pas bien quoi? Ok, donc en fait on a totalement la légitimité de pécho la princesse quoi. C'est beau ça. C'est beau. Totalement quoi. Les boules de cristaux. Comment ça fait penser? Monsieur fait exprès. Figure-toi que c'est fait exprès. Eh ben je suis bien contente qu'on l'ait fini celui-là. Comment ça, il n'y a pas d'inceste? Mais ça va, ils sont pas bretons non plus. Ou cette fièvre courbature, je tousse un peu, j'ai une grosse... Ouais. Ouais, pas terrible quoi. Pas terrible, pas terrible. Enfin, exactement Pépé, mais quand il y en a plus, il y en a encore. Parce que c'est la fin d'une aventure qui marquera le début d'une autre. Oui. Et t'as vu Pépé, c'est pas Final Fantasy cette fois. Voilà. Oh, eh, comme quoi. Non, non, mais parce que Mianco, c'est pas une vraie en plus. Non, non, fais pas ça. Faisais pas ça. Oh bah non, mais t'inquiète, Nanou, si tu passes pas, c'est que tu dois pour avoir le temps ou... Ou que t'as autre chose à faire ou que tu veux plus parce que tu m'aimes plus, pis c'est tout, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais bon, on est bien d'accord que c'est ce prêtre-là, du coup, qui a fait le fake mariage, là. Je pense que c'était son cousin, Jamin. Alors, ce que je disais, c'est que... On va pas repartir sur un gros jeu tout de suite, parce qu'il y a Live Live qui arrive à la fin du mois, et si là, on rentame un JRPG... si on repart sur un JRPG, j'aurai pas le temps. Donc là, on va se concentrer sur la saga Resident Evil. On ne va pas faire de Mountain Ground. Voilà, on a RE1 à finir. On a Persona 5 toujours en cours. Et on va essayer de se taper des sessions de Raft en multi. Donc d'ailleurs, je refais un appel. Mais ceux qui ont Raft ou qui voudraient le commencer ou quoi en multi, apparemment, il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas réellement de slot défini, donc bah let's go. Let's go télécharger le jeu. Et bah du coup, je pense que demain, il y a des gens qui sont chauds. On peut commencer demain à raftouiller. Et merci Nanou pour la tournée de Ronron. Raft, pas rap. J'ai un radeau de la mort qui tue, je suis fan. Eh ben, viens jouer avec nous. On va recommencer à zéro. Bah, après, ce que je disais, c'est que ce sera plus ou moins toutes les semaines, donc. On verra. C'est mignon. Oh, mais bon anniversaire à ton chéri, du coup. Jilted a prince. Never mind that now, Father. Look, we're home. Home for good. Cette tronche. Vraiment, par contre, ça me fume, hein, le roi Trodin. C'est la même gueule que quand il était en mode crotte de nez, sauf qu'il est plus tout vert. C'est incroyable. Le plus beau brain du jeu. Allez, fin! Tu lui prépares un gâteau pour son anniv, tu veux qu'elle décède ou quoi?
Allez, la petite capture d'écran, bien sûr. Félicitations, vous avez réussi à vaincre le seigneur du mal. Vous sauvegardez ici, votre victoire sera enregistrée dans le journal. Ça vous permettra de continuer votre aventure à partir du moment précis du combat enregistré. Oui. Votre triomphe pour qu'une nouvelle légende voie le jour, of course. Oui. Eh bah yes, on a vaincu. Voyez, vous disiez, voilà, t'as pas trop le niveau, tu vas un petit peu galérer, tout ça. Eh bah non, que dalle. Je suis beaucoup trop douèche. Quoi ça? Ah bah bravo. Ah mais oui, mais je suis con, c'est le truc où il disait. Attendez, il faut qu'on aille voir ça. On a le temps encore un peu. Oui, on va aller voir. Mais ouais, non, je disais demain, Raft ou un autre jour en vrai. Hein. Je peux aussi très bien décaler. On peut se faire Resident Evil demain et puis faire du Raft mercredi. Enfin voilà, il n'y a pas de quoi. C'est pas... On fout, on peut faire du Persona aussi demain. On a un chatal à faire. Enfin, on peut faire plein de trucs où je peux aussi dormir demain, vous voyez. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça revient un jour ou pas du tout, par contre? Ouais, une cinquantaine d'heures en comptant... je pense que tu peux enlever au moins 5-6 heures de farm, Dark. Attendez, je vais relancer le jeu. Tu vas y jouer à live? Ah bah oui, je l'ai préco. C'est pour ça qu'on repart pas direct sur un JRPG. C'est parce que je veux garder totalement un slot pour live. J'ai les préco, donc dès qu'il sort, let's go. Après, tu as 50 heures de jeu, mais t'es à fait les gluants avec les save stats. Oui, c'est vrai. Eh hey, Pépé, t'as fait la Overwatch 2, là? T'as testé le nouveau perso ou pas? Quelqu'un qui farmerait à la loyale? Oui. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas fait la démo. Je ne fais absolument jamais les démos des jeux que je veux faire. Parce que... En vrai, ça me saoule après de refaire. Donc... Ah, il y a eu l'event du Z-Event? Cool. L'annonce du Z-Event? T'as rien fait, c'est pas toi. Yes. Non, mais c'était pour savoir si t'avais testé le nouveau perso. Tu l'as pas fait? Ok. On est juste la quête principale. Bah, ça tombe bien, une fois qu'il y a marqué fin, le jeu est terminé. Donc c'est parfait. On va juste aller voir le truc qui brille, là. C'est réservé à l'élite. Mouah. Du 9 au 11 septembre. Je crois que je reprends le taf le 8 septembre si mes vacances elles sont accordées. Code de bike. Allure. Envolons-nous. Le JDG est pas au programme. Antoine Danen disait qu'il avait une bonne raison de pas être là. Ah. Bon bah là c'est les JL, je suis pas sûr qu'on les voit non plus hein, avec tout ce qui se passe là. Ok. C'est parti. Ouais, ces quiz ils sont marrants. Ok, donc c'est derrière le châtel qu'il faut aller. Ah, c'est pas là du tout? C'est pas là du tout.
c'est pas ça. Merde, je pensais que c'était là qu'il fallait aller. Non. Zonemasa. Attends, mais c'était où? Ça, c'est le gros méchant pas beau. C'était où le truc avec le dragoon, là? Bah... non. Je pensais, mais c'est pas... Je pensais que c'était derrière, mais ça a pas l'air. Mais parce que je sais pas où je vais. Je peux pas me TP si je sais pas où je vais. Je croyais que c'était là, mais c'est pas là. J'étais presque sûr que c'était là. Et fatigué, Pépé, hein. Bah non, c'est pas là. Qu'est-ce qu'ils ont dit, là, les Jean-Michel? Attendez. Ils ont dit que c'était pas loin. Quelle est donc cette ville grédinerie? Argonia? Très bien, pardon. Pardon, pardon. C'est pas Pikachu, là, mais le gars, il a jamais lancé un Pokémon de sa vie, oh! Je vais te goumer, Pépé. Mais non, mais pourquoi Argonia? Oh, c'est le truc avec le dragoon, là. Je viens de voir qu'Antoine Daniel m'a bloqué sur Twitter. Oh là, qu'est-ce que t'as fait encore? T'es encore arrivé avec une vanne nulle? C'est bien fait, ça. Un endroit situé à proximité. Techniquement, on n'est pas loin, hein. On va tourner un peu. Je crois que c'est un endroit où on peut y aller qu'avec... avec l'oiseau de toute façon. Oui, 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 oui. Oui, oui. Où c'est? Oh là là, mais ma vie pour un GPS en fait, là-bas. C'est là-bas. OK. Ouais. Bah, y a eu des dramas, hein, apparemment, aux derniers Z-Event. Hein. Ok. Parti pour les révélations. Ah. Non, j'ai pas mis le truc pour pas qu'on vienne m'embêter. Moi, je veux juste le lore, là. Je veux pas les combats. C'est bon, le monde est sauvé, hein. Je manque. Bah ouais, mais ils m'ont invité, mais j'ai été obligée de décliner. J'ai trop de trucs à faire, les gars.
C'est souvent ce qui se passe quand tu invites des gens qui sont privilégiés à la grosse tête. Oh, après, je suis pas sûr qu'ils soient tous comme ça, Pépé. Il y en a qui ont l'air cool en vrai. Hein. Nightac qui n'est plus là après le drama de l'année dernière. Il y a des gangs. Ah bah ouais, bah il y en a, ils viennent en team, c'est sûr. Hein. Il y a des gars de la JL. Tant que le vieux monsieur est là. Ah ouais. Ah bah le jour où MV n'y va plus, vu que c'est fait par Zera, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je peux y aller ou pas? Yes. C'était quoi le drama de l'année dernière? Avec Inox? Ah, avec le truc avec... avec Ultia, là, c'est ça? Comme quoi il avait fait une réflexion sexiste ou je sais pas quoi? Où il s'était excusé? C'est de ça que tu parles? Ouais. Ouais, il y a des trucs, ça a pris des proportions. Il est quand même vachement mature pour son âge, moi, je trouve, Inox. Hein. Enfin, la façon dont il a... dont il a réagi. Il y a des gars avec 20 ans de plus, ils auraient pas réagi comme ça. Mais ouais, moi j'avoue, tant qu'il y a MV, qu'il y a Ponce... Agrougrou le dragon. Ponce, j'aime beaucoup aussi. Alpha, je kiffe Alpha. C'est la grotte de Lascaux ou... On est où là? Little Big Whale aussi, je pense qu'elle y sera, elle est quand même vachement copine avec Zera, j'ai l'impression. Il y a des nouveaux streamers. Ouais. Bah chaque année, ils invitent des nouvelles personnes. Là, il y aura peut-être Bagheera, tout ça, non? Ouais. Enfin, je pense qu'ils vont inviter aussi toutes les nouvelles personnes là qu'on fait. Soprano. Ils vont peut-être inviter toutes les personnes là qu'on fait. Merde, comment ça s'appelait là? Le. Oh putain, le truc ERP là. Il y a plein de streamers qui ont émergé suite à ça. Ah, Mintos, il me fait trop rire. Vraiment. Mintos me fait beaucoup trop gaulerie. Il a une ganache, ce mec. Il est trop marrant. Mais il avait fait déjà l'année dernière, Mintos. Et coucou, gros bain. Comment que ça va? Ouais, Mintos, c'est marrant, je trouve, comme mec. Oui, bonsoir, ce à quoi? Bienvenue. Et ça va nickel, merci. Ah, j'ai regardé le best-of de MV, là, sur son voyage au Japon. Je me suis bien marrée aussi. Bah, c'est ce que je disais, Les JL, ça m'étonne pas qu'ils y soient pas. Il y a quand même un énorme drama qui vient de sortir sur les JL, là. Donc, je sais pas s'ils y sont pas parce qu'ils y sont pas ou s'ils ont juste pas été invités. Je pense que c'est une possibilité aussi. Gotaga, c'est bizarre, ouais. Kameto aussi. Je sais pas. La partie avec les dents. Bah, ça m'a fait marrer parce que j'ai eu le même problème avec les dents.
J'y suis allée, effectivement, tu te fais littéralement harceler, ils viennent te niaquer le cul, hein. Ma pote, elle a eu des bleus à cause de ça. Hein. Non, mais c'est pas suivre pour suivre, Yuni, c'est juste que... Sur TikTok, je suis aussi des gens qui font des trucs sur les jeux vidéo et s'arrêtent pas de blablater de ces trucs-là, c'est chiant. Alors, de toute façon, on verra. Ça laissera l'opportunité de découvrir de nouvelles personnes. Et c'est pourquoi ? C'est pour quelle association cette année ? Bah ouais, mais il y a des trucs qui lui sont reprochés en fait, Maladori. Le fait d'avoir été au courant depuis longtemps, d'avoir couvert ça, enfin... Après, à tort ou à raison, j'en sais rien, moi je t'avoue que je m'en fous, c'est pas... Enfin, ça me regarde pas, mais... Ah zut. Un petit bisou en passant, je viens de finir le courrier de mes nouveaux adhérents. Ras-le-bol. Et coucou, Momon. Et courage, Momon. Oh, le critique, eh, dis donc. Et coucou, coucou. Comment que ça va? Du fisc, ce sera intéressant. Vas-y, on peut négo une petite asso, genre la PS5 pour KO. J'ai pas besoin de 10 milliards dessus, mais un petit peu. Je veux bien. Il y a le fameux tonton. Tonton, c'est celui qui fait des streams le matin? Le Suisse? Celui qui a pas de cheveux? Oh, si c'est lui, il est rigolo, lui. Il a une bonne énergie, je trouve. Ouais. Il est cool. Est-ce qu'il y a Colabim? Avamine, j'aime beaucoup aussi. Bah, Avamine, tu vois, c'est elle, celle que je pensais quand je disais ceux qui ont participé au truc RP, là. Tonton, il est super gentil en plus. C'est une très bonne personne. Ouais, il a l'air vraiment. Oui, nickel, Mr. Goku. Bah, je viens de finir le jeu, je suis en train de me perdre dans un petit bout de endgame. Oui, oui. J'ai faim. Savez-le. Je commence à avoir la dalounette. Raté quoi ? Dans la liste de streamers, ils sont tous des gens cool qui font pas de vagues. Bon, après, c'est toujours pareil, ils font pas de vagues jusqu'au moment où ils font des vagues, quoi. Y'a pas l'eau clear ? Ah. Oh là ! Mais on est où en fait ? Eh bah écoute, aujourd'hui j'ai dormi, j'ai bouquiné, j'ai geeké. Ouais bah oui, ouais, l'année dernière il a un peu été exclu le pépère. Il m'a fait de la peine l'année dernière. C'était pas... tu sais, il a tout le temps plein d'énergie et tout et ouais. C'était pas rigolo pour lui. On peut ne pas les aimer, mais ils sont quand même ramenés énormément de... Ah oui, non, mais c'est ouf, hein, le Z-Event en soi, c'est énorme comme événement. Hein. Oh, moi, tous les ans, je prends le t-shirt. Je me dis que, voilà, je participe. Je ne l'aimais absolument jamais. J'ai rangé là, mon armoire, j'ai fait du tri de fringues il y a une semaine. Ils sont là, ils sont posés. Je ne m'en sers absolument pas du tout, mais ils sont là. J'espère qu'on va avoir une révélation insane. Si. Et au moins son père au fond de la grotte, là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oh ! Oh, ça me fait mal ! Ça me fait mal ! Putain, ça fait mal, ça !
J'ai plus besoin, donc je vais pas les buter, mais... Au secours! Il s'agit d'une tombe. Elle porte l'inscription suivante. Siji. On est le trio bien-aimé, qu'il repose en paix. Ok. Bah, je viens de fuir deux rois slime. Je me sens, mais pas bien. C'est terrible. On va grimpouiller, hein. Aller plus haut. Del Trio. Ah, on arrive chez quelqu'un. El Trio, le bien-aimé. Oh, c'est fermé. Allez, pousse! That gate's a whopper, isn't it? Wonder what's behind it, eh? Tu cherches dans quel domaine, Goku? What do we do now? Well, we can't just turn back. Come on, someone must have a bright idea. Ah! Comment? Quoi? Ouais, et dans deux secondes, la souris, c'était son père en souris, en fait. MDR, lol. C'est une blague, hein. Je pète un plomb si c'est ça. Je vous le dis direct. Welcome to the Dragovian Sanctuary. We Dragovians are capable of existing in two forms, human and dragon. I am Chen Mui, a Dragovian elder. I'll be your guide here. It has been many hundreds of years since humans last set foot within the sanctuary. Your sudden appearance may shock some Dragovians. That is why I okay. would like to accompany you. Mais oui, c'est l'endgame. J'ai fini le jeu pendant que tu dormais. Uncomfortable at being escorted, but I pray si. Non mais l'autre, il a croivé qu'on allait attendre qu'il se réveille en fait. Allô, excusez-moi. J'ai bien bossé moi, monsieur. Si. Wow, on est dans la cité des dragons. Ouah, c'est Jurassic Park! Hostilax. Ah oui, c'est vrai, on a pêché la princesse. What's this? What happened? The sanctuary wasn't like this when I left. C'est tout cassé? Ah oui, ça fait un peu la tronche là. Oh. Il y a quelqu'un là-haut. Ah oh, bah, il y a quelqu'un là aussi. Are you humans? Ouais. Well, it doesn't matter. We're dying out anyway. Tell me, what is going on? What in the world happened here? Ah, Master Chen Mui. I see you have returned to us. You have my sympathies. You've arrived just in time to witness the end of the Dragovian race. Industriel, mais pas de réponse, du coup je continue encore. Ok. Moi bon, je te souhaite bonne chance dans tes recherches. We had better visit the other elders. We must get to the bottom of... Ok. Le endgame, c'est que tout le monde y meurt en fait. C'est pas très rigodrôle ça. La porte du sanctuaire ne peut être ouverte que par les membres de la race dragovienne. Alors c'est un choc de voir un humain ici. Ceci étant dit, je suis contente de vous voir, à bien y réfléchir. Je crois que ce n'était pas une bonne idée de nous isoler. Regardez, nous en sommes maintenant. Si vous voulez mon avis, notre destin a été scellé le jour où nous avons décidé de couper les liens avec les humains. Ouais. Donc c'est quoi? Je suis un dragon en fait? Agrougrou? Master Chen Mui, what a surprise!
It has been many years. Oh, il a pas les oreilles pointues. Save the pleasantries. You must tell me what is happening here. I apologize. That's a matter for me to discuss with the council elders. Pray, let us pass. Most honored Chen Mui, you may pass, but I cannot permit the humans to enter the council chamber with you. We are facing a dire crisis, and you stand on formalities? I will take full responsibility for my guests. Now, allez, out of my way at once. It appears your mind is made up, Master Chen Mui. In that case... Non, c'est ce que disait les gars tout à l'heure. Apparemment, il a une bonne raison de pas y aller. Enfin, après... En vrai... Ils ont des vies aussi, les gars. Ça se trouve, il avait déjà quelque chose de prévu. Hein. Ah, faut que je... Ah, mais si, c'est ça qu'il faut qu'on finisse aussi. Pokémon Arceus, là. Aïe. C'est vrai qu'on a ça aussi sur le feu. Faut que je reprenne ça en off, là. Je sais plus du tout où on en est. Ah, if it isn't Chen Mui. It is. Moi, je sais pas mal adorer ça après ça. Hein. Donc je suis pas trop dans les potins comme ça. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Thank you, but let us save the pleasantries for later. First, tell me how the sanctuary could have fallen into the state. Ah, yes. I forgot that you left before the ritual was carried out. Very well. Let me tell you how all this came about. Allez, bouffe ton leurre. On est venu pour ça. Just after you left Chen Mui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. As of course you know, we Dragovians are both human and dragon. He decided the time had come for us to abandon our human forms once. What? Preposterous! Does such a ritual really exist? Tu rêves d'aller au Z-Event? Alors, d'aller au Z-Event, pas spécialement. Par contre, quelque chose que je rêverais de faire, c'est un événement caritatif. Pouvoir participer à des choses comme ça, ça me ferait kiffer de ouf. Vraiment. Our Lord ascended the heavenly dais to test the Travaillant dans le social, j'avoue que pour moi, ce serait boucler la boucle de pouvoir aider financièrement une association comme celle pour laquelle je travaille par le biais du jeu vidéo, en fait. Je kifferais trop. Vraiment, je kifferais trop. Became a dragon once and for all. Or so he thought. In fact, the ritual failed. Un don pour Dark Patate. It consumes a great deal of energy for us to remain in our dragon forms. Ah non, pas forcément que j'organise. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais juste qu'un jour, quelqu'un puisse me proposer ou me solliciter ou qu'on trouve à un moment que... Bah, le boulot que je fournis sur Twitch peut avoir un minimum d'intérêt et être un minimum, assez pertinent pour pouvoir être utile, en fait. C'est vraiment, ça me... Je crois que ce serait une des plus... Enfin, ce serait vraiment une valorisation incroyable, quoi. Et tu attends. Tu fais quelque chose et toi, tu suis. C'est pas l'idéal. Oh bah non, mais je compte pas... Enfin, j'ai pas la prétention de savoir comment monter des projets comme ça. Et encore une fois, je travaille à côté, donc... Enfin, j'aurais tout simplement pas le temps... J'aurais vraiment pas le temps ni les ressources pour pouvoir créer un événement comme ça. C'est gentil, Goku. Merci. Faut juste que je reprenne, je sais plus où j'en suis. Mais il y a des gens qui le font très très bien, Maladori. Hein, c'est pas... Is not the Lord of the Dragovians, but a savage, uncontrollable monster. He attacked us. We had no choice but to withdraw.
And soon, the sanctuary of the Dragovians will be no more. I can put it no more plainly than that. I see. It appears terrible events have unfolded during my absence. Ouais, c'est ça, Pépé. C'est ça. Moi, je sais qu'au final, même si voilà, je suis copine avec quelques streamers ou quoi, enfin, je suis plutôt solitaire en vrai sur Twitch. Hein. Je suis dans mon coin. Bon, je fais des raids à droite à gauche quand je finis mes streams, histoire de soutenir les copains, mais enfin, ça va pas plus loin, quoi. C'est pas des gros events et des choses comme ça, c'est très très rare. Hein. Non, après sur des gros events comme ça, oui Pépé, mais il y a beaucoup de petits events caritatifs qui se montent où il y a des streamers comme moi qui participent, hein. C'est pas... Ça c'est pas isolé quoi. Mais bon, encore une fois, faut connaître les bonnes personnes. Hein. Est-ce que vous avez vu les 24 heures du Mans ? Pas du tout, Goku. They plan to confront the Lord of Darkness, you say? If that is the case, they have arrived at a most fortuitous point in our conversation. But can we really entrust such an important task to outsiders? Pourquoi papoter dans le vide? Perhaps you should introduce yourselves to the Council of Elders. Par contre, je capte pas là, ils sont censés. J'étais pas censé savoir c'est qui sont Padré et tout là. J'ai pas envie de sauver les dragons, moi je m'en tamponne, c'est bon, j'ai sauvé le monde. Ah. Oui, non, mais c'est ça, faudrait que. Ouais. Oui, je me doute bien. Après, c'est toujours pareil, faut oser faire le. Enfin, faut oser quoi. Le problème, c'est toujours, c'est toujours, voilà, est-ce que t'es légitime à demander des trucs comme ça? Moi, perso, je suis un petit caca sur Twitch, donc je demande rien à personne. C'est pour ça que je fais les choses de mon côté, en fait. Hein. C'est juste pour ça. C'est des choses que j'adorerais faire, mais après... Où j'aille là? À l'au-delà de ce point se trouva le chemin menant à l'estrade céleste. Okay. Bon. Ouais, non, mais je sais bien, Pépé. Non, mais enfin, c'est comme tout dans la vie, hein, qui ne tente rien à rien. C'est, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu dois te présenter aux anciens. Ah, faut que je parle à tout le monde. Oh. Mais je l'ai déjà batté en vrai. J'aurais pas dû venir là. Je ferai pas le endgame. C'est moi, il y avait marqué fin. Le jeu, il est fini. Ça y est. Hein. C'est fait. Tu peux faire un giveaway Elden Ring. Mais ouais. Et toi, Maladori, est-ce que tu peux me faire à peu près... Allez, un don de 20 subs que je puisse acheter la clé pour faire le giveaway Elden Ring. On fait comme ça, du coup, si ça te convient. On dit qu'on fait comme ça, ok? Oh, pff, non, Pépé. Which makes these humans, indeed, their valor has been acknowledged by none less. Au niveau paperasse, ma mère, ça la dérangerait pas du tout. Par contre, tout ce qui est Twitch et tout ça, elle comprend pas. Ça fait des années que la nuance du « tu joues avec des gens », enfin, quand je dis que je vais jouer, elle me demande avec qui je joue, et elle comprend pas quand je lui dis que je joue toute seule. Elle me dit « mais oui, mais t'es toute seule ». J'ai dit « mais du coup, je parle avec des gens ». « Bah oui, mais du coup, tu joues avec des gens ». C'est trop compliqué. Hesitate to ask any more of you when you already journey under such a
terrible burden. Oh, j'en fais régulièrement des giveaways. But before you confront Rapthorn, I would ask that you... Là d'ailleurs, ce week-end, je vais regarder, j'ai vu un truc chez une streameuse que j'aime bien, que je trouve cool, pour remercier les gens qui font des gifts. Je vais demander à Nedil, je sais qu'il sait faire ça, c'est faire une roue. Où en gros, les gens qui filent 5 sub-gifts, je vais choper des clés de jeu et je les ferai gagner dedans et je mettrai un ou deux gros jeux dedans. Enfin, ou quelques gros jeux, quoi. Puis il faudrait que je fasse aussi... je vais prévoir un ou deux de giveaways pour écouler le reste des premiers marque-pages que j'avais fait. Il me reste quelques Animal Crossing, là. Animal Crossing U. Mais je veux pas me battre. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, parce que là, il va vouloir qu'on aille sauver le village. Je m'en fous du village, moi j'ai déjà sauvé le monde. J'ai fini le jeu. Donc, bah, ceux qui voudront sauver les dragons, go jouer au jeu. Voilà, moi c'est bon, j'ai sauvé le monde, il y avait marqué fin, le jeu est fini. Il est 21h16, j'ai faim, donc... ça y est, nous avons fini Dragon Quest. Ouais. Et attends, je suis une escroquerie sur pattes. C'est honteux. Mais non, mais... Dans le guide, ils avaient dit que si je venais là... Ça me raconterait des trucs sur le héros, là, je m'en fous. Ils veulent que je sauve un village de dragoons, là. Je m'en fous des dragoons. Oh. Non, non, moi, c'est bon. Le monde est sauvé, c'est ok. It's alright, it's ok. Allez, pouette. Voilà. Le monde est sauf. Vive le monde. Boum. Du coup, voilà, le endgame, bah on le fera pas parce que je fais pas les endgames. Je fais jamais les endgames, en fait. Je me suis fait eu. En fait, je me suis totalement fait eu par le guidebook à la fin qui disait « Mais va là, tu vas apprendre des trucs sur le héros. » Et vu que Yuni disait tout à l'heure que j'avais raté un truc sur la vie du héros, je me suis dit « Ok, ça se trouve, on va arriver chez lui, on va avoir des portraits de famille, tout ça. » Enfin, bref, c'est pas grave, on s'en fout. On a eu la bonne fin, on a pécho la princesse, donc moi j'estime que c'est ok, mission accomplie. Oui. Bah, prochain Dragon Quest, alors à moins que il y ait des gens qui claquent des points de chaîne entre temps et qui veulent qu'on en fasse un, je pense que le prochain Dragon Quest ce sera le 9. Moi à la base c'est avec celui-là que je voulais commencer, donc on verra, comme je disais, d'abord je voudrais qu'on finisse les Final Fantasy, on a encore quelques-uns à faire. Voilà.